Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Mais au niveau de l'éducation, parce qu'on n'appelle pas une personne par sa couleur. Donc c'est tout simplement l'éducation. À l'époque, vous aviez vous-même été victime de racisme comme joueur, ça se manifestait comment? Ben alors, vous savez, le plus dur, c'est que moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer au football et d'en faire mon métier. Et quand vous faites votre premier match en équipe première, et que là, le premier ballon que vous touchez, qu'on vous fait des cris de singe, là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas venu pour ça. Et donc là, je peux vous dire que sincèrement, c'est quelque chose d'horrible. Mais la passion est tellement plus forte qu'on passe au-dessus. Et alors, bon, c'est tout simplement, après ma carrière, et je veux continuer à faire passer des messages. Avec votre frère Émile, vous étiez effectivement les premiers joueurs dits de couleur à intégrer l'équipe nationale. Est-ce que ça a été lourd à porter, ce symbole, ou au contraire, c'était une fierté pour vous? Vous savez, quand vous êtes pionnier, c'est jamais évident. Et pour nous, c'était tout simplement une fierté, une continuité, puisque moi, je suis en Belgique depuis l'âge de 2 mois. Donc pour moi, la Belgique, c'était mon pays. Donc c'était tout à fait normal que je puisse participer à jouer avec l'équipe nationale. Mais ce n'était pas simple, parce que pour le monde extérieur, ben voilà, avoir des gens de couleur, c'était pas tout à fait, je dirais, réglementaire à ce Heureusement, les moment-là. choses ont changé, on Et voit que la bien changé. génération aujourd'hui. Un autre thème, durant le confinement, il y a beaucoup d'ados qui sont privés de leur club de sport, ceux en tout cas qui sont âgés de plus de 12 ans, tous les matchs sont suspendus. Comment vous voyez le rôle social de ces clubs amateurs? J'espère sincèrement qu'il y en a qui ne vont pas Décrocher, arrêter décrocher le ou sport. arrêter ou même faire faillite, parce que ça sera vraiment une grande catastrophe. Parce qu'il ne faut pas oublier que le sport est tellement important pour tout le monde, pour toute la société. Et il ne faut pas juste regarder le sport comme en étant des enfants qui tapent juste dans un ballon. C'est plus que ça. Il faut regarder plus loin. Ce sont des enfants qui acceptent les autres. Ce sont des enfants qui comprennent ce que c'est une équipe, qui comprennent ce que c'est de vivre ensemble. Et donc le foot peut justement prendre le relais de l'école. Vous avez vous-même trois enfants, ils jouent au football? Oui, la plus grande, non, mais les deux plus jeunes, oui, et donc c'est pas évident pour eux aussi. Vous les poussez dans ce sport? Vous les conseillez, les coachez? Alors, pas du tout, vous devez juste savoir, c'est ils ont appris à l'école que moi j'ai joué au football. Donc c'est pour vous dire ce que moi je pense. Vous ne leur aviez jamais dit? Non, parce que bon, ils étaient fort petits quand moi j'ai arrêté, et c'est à l'école quand ma fille est rentrée, quand on est revenu en Belgique, quand ma fille est allée à l'école, quand elle est revenue de l'école, elle m'a dit, bah, parce que tu connais André, est-ce que tu connais le standard? Non. Et donc j'ai expliqué, tout à fait. Mais pourquoi? Parce que le foot m'a permis beaucoup de choses. Le foot m'a permis de m'intégrer, le foot m'a permis d'être ici avec vous. Mais je ne voulais pas non plus que ce soit tout de ma vie. Je pense que quand je suis à la maison, je veux vivre sereinement, sans à penser au football. En tout cas, il y a ce formidable challenge que vous lancez à tous les enfants qui jouent en club, le Mbo Mpenza Challenge. L'édition 2019, d'ailleurs, a été diffusée sur RTL Play et vous recommencez une nouvelle saison. Exactement, j'ai encore ici une petite surprise pour vous, pour vos deux enfants. Oui, Ils c'est sont toutes vrai. jeunes. Formidable. Voilà, et donc, voilà. Donc, On pourra aussi jouer au foot avec elle, c'est vrai, il faut initier les filles au foot. Merci, Mo. Ça leur fera très plaisir. Avec plaisir. Merci. Ce soir, après le RTL Info, 19h.